Est-ce que je dois étudier la grammaire? C'est une question fréquente parmi les étudiants des langues étrangères et c'est le sujet du plus récent article de mon blog que vous pouvez accéder et lire en suivant le lien ci-dessous. Mais la réponse, c'est que vous ne deviez pas dépenser beaucoup de temps à étudier la terminologie et les règles grammaticales parce que ce n'est pas une manière, pas du tout efficace de parvenir à une bonne maîtrise communicative d'une langue étrangère. Mais si vous deviez prêter beaucoup d'attention aux structures grammaticales de la langue tout en lisant, écoutant, parlant et écrivant dans la langue. Et surtout, vous devez vous rassurer de recevoir des corrections fréquentes de votre propre grammaire quand vous parlez la langue. Et puis, vous devez réviser et assimiler ces corrections, toutes ces corrections. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est justement un jeu incroyable qui fait exactement ça, qui facilite ce processus de révision et assimilation des corrections grammaticales que vous avez reçues. Le jeu s'appelle Grammar Rush. Et je vais maintenant partager mon écran pour faire la démonstration. Moi, je suis étudiant de français. Si vous suivez ce blog, probablement vous allez noter que mon français a amélioré. Je dois améliorer beaucoup encore parce que je voudrais maîtriser, je voudrais dominer la langue française. Bon. En tant qu'étranger, je ne vais pas parvenir à parler forcément comme un locuteur natif, mais je voudrais avoir un niveau très très avancé dans la langue et je suis le cours de français naturel de The Natural Language Institute. En fait, mon prochain cours, c'est le mardi, mais ça ne nous intéresse pas trop. Ce que je veux vous montrer, ce sont les jeux. Et spécifiquement le jeu Grammar Rush. Voilà. Mais avant d'y entrer, je voudrais montrer ici que pour tous les jeux, je peux choisir les contenus que je veux utiliser dans les jeux. Ici, j'ai choisi le contenu seulement avancé de mes cours, spécifiquement de mes cours. C'est intéressant de noter que je peux aussi choisir de jouer avec le contenu des leçons d'autres étudiants de français. Mais ce n'est pas tellement efficace parce que si je joue seulement avec les contenus de mes cours, j'ai toujours un lien contextuel avec ce contenu et un lien même émotionnel. Alors la rétention de ce contenu, de cet apprentissage est beaucoup mieux. Alors je vais le laisser comme ça, je vais réviser le contenu, je vais jouer avec le contenu de mes cours et nous allons changer la traduction. Je crois que c'est pas tellement bien mes classes, hein, mes cours. Bon, alors maintenant je vais entrer dans le jeu Grammar Rush. Et vous pouvez voir, avant que je ne commence vraiment à jouer, vous allez m'accompagner. Ça va être très amusant, je crois, pour vous. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quelque chose de l'interface ici. Alors, je peux voir ici mes statistiques de mes jeux. Alors, je joue avec mes leçons et mon score moyen, c'est 771 points. Dans ce cycle actuel, 757 points.
Ce cycle contient 349 corrections grammaticales. Ce sont 349 fois que ma professeure m'a corrigé, a corrigé ma grammaire pendant mes cours de conversation. Et chaque fois que j'ai un nouveau cours, ce numéro s'augmente parce que justement j'ai des nouvelles corrections. J'ai déjà joué beaucoup de fois, c'est pour ça que j'ai un score accumulé de plus que 2000 points. Et mon but actuel, c'est de jouer un cycle entier avec un score moyen de au moins 900 points. C'est très difficile, mais j'ai cette ambition parce que je voudrais m'assurer que j'ai vraiment maîtrisé toutes ces corrections grammaticales. Ici, je veux vous montrer que je peux cacher les statistiques, mais à moi, j'aime beaucoup voir les statistiques. Je peux aussi couper le son, mais moi, j'aime, pendant que je joue, écouter le son parce que c'est un retour pour moi, utile. Et je peux voir ici aussi des informations sur ce jeu, sur ce didacticiel. Bon, avant que je ne commence finalement à jouer, je veux expliquer comment ça marche. Je vais voir 10 questions pendant le jeu de mes cours. Et ce sont les phrases que j'ai exprimées pendant mes cours de conversation. Soit la version que j'ai parlé, que j'ai dit avec une erreur, soit la version déjà correcte selon ma professeure a enregistré. Alors moi, quand je joue, je dois justement identifier si c'est correct ou pas. Si c'est correct, je vais cliquer sur le bouton correct. Et s'il y a une erreur, alors il faut que j'identifie où est l'erreur. Il y aura deux rectangles et alors je dois choisir quel contient mon erreur. Si je fais l'option correcte, je peux gagner jusqu'à 100 points. Mais pour recevoir 100 points, il faut le faire très rapidement, en moins de 2 secondes. Si je fais l'option correcte, mais je dépense plus de temps que ça, je ne vais recevoir que 90 ou 80 ou même 70 points, ou moins, selon le temps que je dépense pour faire mon option. Et si je fais l'option incorrecte, je reçois 0 point pour cette question. Après avoir fait mon option, je vais voir la phrase correcte. Et selon le son que j'écoute et la couleur aussi, je vais savoir si je me suis trompé ou si j'ai bien fait, si j'ai bien joué cette question. Alors, c'est ça, finalement, on va démarrer. Il est à la retraite. C'est correct. J'ai dit quelque chose comme il est en retraite. Il est à la retraite. Ça a valu la peine, pas voulu, j'avais dit voulu, ça a valu la peine, c'est la conjugaison correcte. Je joue beaucoup aux échecs. Allez, ça n'existe pas, mais moi, oui, j'ai dit ça. J'ai honte que je dis allez, je joue aux échecs. Ça donne des informations précises. C'est correct. J'ai dit précis, pas précise. Alors, c'est masculin, féminin. Dans ce cas, c'est féminin. Je me trompe beaucoup avec ça. Il fait partie d'une groupe en ligne. Une groupe ou un groupe? Un groupe. Un gros groupe. Un groupe. Et beaucoup de corrections du masculin, féminin. Ça me donne d'encouragement. D'encouragement. Non. Désencouragement. Alors, je ne savais pas, hein, je ne me souvenais pas, mais oui, c'est ça, j'ai appris dans mon cours désencouragement. Il a bien
Répondu aux questions, c'est correct, aux questions. J'ai mangé de la dinde. De la dinde, c'est ça, c'est féminin aussi. Nos amis allaient à une discothèque. Non, dans une discothèque. Nos amis allaient dans une discothèque. Dans le contexte du cours, c'était la préposition correcte. Nous avons pris le petit déjeuner. Nous avons pris le petit déjeuner. Je crois que j'ai dit nous avons. Je ne me souviens pas, mais nous avons pris. Bon, justement, ici, j'ai terminé le jeu. J'ai reçu 570 points parce que j'étais très lente, parce que j'étais en train de commenter les choses, n'est-ce pas? Et je n'ai pas trop trompé. Je me suis trompé deux fois. Et puis ici, c'est super parce que je peux réviser nouvellement tous les points et cette fois sans la pression du temps. Avec du calme, je peux étudier chaque phrase correcte et de cette manière vraiment assimiler les points grammaticaux. Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de pression de temps pendant le jeu? C'est parce que la maîtrise grammaticale pour la communication, ça doit être très rapide. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas efficace d'étudier beaucoup les règles grammaticales. Parce que si pour parler, je dois faire référence mentale à une règle grammaticale et puis penser comment est-ce que je vais appliquer cette règle au sujet que je veux exprimer. Alors, quand je suis finalement prêt à structurer, à parler, mon locuteur, il s'en est allé déjà. Il ne va plus avoir d'attention pour moi parce que la communication est trop vite. Alors, il faut non seulement savoir identifier la structure grammaticale correcte, mais aussi savoir pouvoir le faire automatiquement, d'une manière très rapide, très naturelle. Et c'est un peu ça l'objectif de ce jeu. Non seulement de pouvoir réviser et assimiler, mais aussi d'automatiser cette connaissance. Alors ici, je peux, comme j'avais dit, je peux bien étudier chaque point et même regarder avec plus de détails. Alors, ici, je peux voir qu'est-ce qui était vraiment la phrase incorrecte. Ah, nous avons mangé le petit déjeuner. Ah, le correct, c'est nous avons pris le petit déjeuner. Et ici, par exemple, je peux voir que c'est la conjugaison passée composée. Alors, ça a valu la peine, non? Ça a valu la peine. Ou pour donner encore un exemple, voilà les prépositions. Alors, j'avais dit nos amis allaient à une discothèque et la professeure a préféré nos amis allaient dans une discothèque. Et c'était très intéressant parce que je peux ici voir dans cette fenêtre des autres erreurs que j'ai commises dans cette même catégorie grammaticale qui sont les prépositions. Alors, dans un autre cours, j'ai dit se retrouver dans une autre planète, non, se retrouver sur une autre planète. J'ai dit dans un autre cours, j'ai dit il est allé en Canada, non, il est allé au Canada. Alors, après chaque jeu, j'ai plein d'options, d'opportunités d'approfondir mon étude. Mais normalement, je joue un jeu suivi d'un autre jeu. J'aime jouer plusieurs fois. C'est très amusant. J'aime jouer, par exemple, quand je suis dans une banque tout en
attendant être arrivé ma foi de parler avec quelqu'un de banque ou dans n'importe quel contexte que je suis en train d'attendre les personnes au lieu d'entrer dans Facebook, quelque chose comme ça, et perdre de temps. Non, je profite le temps pour étudier le français, d'améliorer ma maîtrise grammaticale en usage du français et d'une manière très amusante. Alors, j'espère que vous aussi allez essayer ce jeu unique et merveilleux Grammar Rush. Si vous n'êtes pas encore élève du Natural Language Institute, alors c'est pas de problème. Il ne faut que programmer un cours de démonstration. Et puis, une fois que vous avez déjà 10 corrections grammaticales, vous pourrez jouer un jeu de Grammar Rush pour avoir l'expérience à la première personne et vous-même de réviser, assimiler les corrections grammaticales d'une manière efficace et amusante. Merci beaucoup et à la prochaine.